Bonjour, ici Marie-Lou Wolf. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Pour cette chronique Bienvenue aux hommes, on rencontre la pétillante Marie-Lou Wolf qui tient pour la première fois en carrière un rôle-titre dans un téléroman, celui d'Élisabeth Bergeron, le nouveau professeur d'art plastique dans 30 vies de Fabienne Larouche. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Marie-Lou, on est dans ta classe parce que tu vas être le nouveau professeur du téléroman 30 vies. Tu vas jouer le rôle d'Élisabeth Bergeron. Est-ce que c'est comme ça que tu définis le succès dans une vie, quand Fabienne Larouche t'appelle? C'est tellement une bonne façon de dire ça. Bien, effectivement, ça veut dire que tu es comme rendu à un autre statut. Bien, pour vrai, là, c'est tellement flatteur, mais te dirais, je suis comme un lead maintenant. Elle va s'appuyer sur moi pour écrire une série. C'est pas une audition que j'ai passée, là. Elle t'appelle puis elle dit « Veux-tu jouer? Dans 30 vies, t'es mon nouveau professeur. » Et wow. T'as 24 heures pour répondre. Ça, c'est vrai. J'ai eu 24 heures pour répondre. J'ai dit « Ben là, OK, je vais jouer quoi? » Puis je sais pas, là. Puis elle dit « Ben là, faut qu'elle réponde vite. » Elle a 24 heures, là, ça y tente ou ça y tente pas? Fabienne, c'est une femme d'instinct. Puis là, tu te dis « Ah, il y a de son instinct. » Il dit « Moi. » Ici, on peut tout faire, tout imaginer, tout dire. Il n'y a rien de tabou, rien de mal. Anaïs? Tu aimes les femmes de caractère, tu dois bien t'entendre avec Fabienne. Vraiment, cette femme-là m'inspire au plus haut point. Quand je sors de chez elle, je suis là, énergisée. Là. Je sors de là, je pourrais défoncer des portes, j'ai goût de partir des projets. Je dis, c'est une femme qui m'inspire énormément. Tu parles d'être lead, c'est la première fois que tu es lead. Est-ce qu'on sent une pression? Ouais. Même, j'avouerais que sur 30 vies, il y a aussi la notion de comparaison. C'est un show qui change de professeur à chaque saison. Alors, tu as vraiment un bagage déjà de comédiens que j'admire, comédiens et comédiennes, qui sont passés avant moi, qui ont passé à travers l'aventure et que leurs fans les ont suivis puis qu'ils ont aimé. Puis là, tu dis, hey, c'est moi la nouvelle, ils vont-tu m'aimer autant? Il y a eu plein de gros titres sur des magazines, ou en tout cas, j'en ai vu un qui m'a frappé à l'épicerie en attendant pour payer mon épicerie. Marie-Lou se sépare de sa famille. C'est assez incroyable qu'on donne ce titre-là à une femme. Quand Guillaume est venu tourner 30 vies, il n'y a personne qui a dit « Guillaume se sépare, abandonne sa famille ». Pourquoi on a des préjugés comme ceux-là? Mais tu sais, à un moment donné, les médias, ils ont besoin de surfer, de faire des covers. Fait qu'ils, tu sais, tu l'as vu, hein? « Sépare » était le plus gros mot du titre. Ça accroche l'œil. Ah, on va séparer, de Guillaume. C'est sûr que ça fait peut-être vendre des copies. Je trouve ça un peu triste parce qu'en même temps, moi, ça me donne moins le goût après ça de faire des entrevues. Est-ce que tu es une personne qu'on pourrait qualifier de féministe ou qui aime le girl power? Comment tu vis avec la jante féminine là, d'aujourd'hui en 2013? Je dirais pas féministe, là, tu sais, je suis pas celle qui va revendiquer, mais en même temps, j'ai cette fibre-là en moi, c'est-à-dire que je suis un peu girl power. J'aime les femmes qui ont du pouvoir dans le sens qu'elles se permettent d'avoir du pouvoir, elles se permettent d'être au top de projets, qu'elles se permettent de leader des projets, d'être à l'avant-garde. J'aime les femmes qui prennent position. Oui, j'aime ça quand même. Puis j'aimerais être considérée comme un peu dans ces femmes-là. C'est quoi le truc pour être une superwoman? Parce qu'on a le syndrome de la superwoman ici au Québec. Ben, en tout cas, partout, je pense, dans les années, nous amènent ça. Tu as raison. Ben, faut juste faire attention là-dedans. Moi, à un moment donné, je me suis sentie un peu épuisée parce que tu veux être une superwoman. J'ai réalisé qu'on peut pas être une superwoman. Mais c'est vrai que de nos jours, il y a ce syndrome-là. C'est aussi parce que, tu sais, on travaille, on veut être égal avec les hommes, on veut le même poste, on veut ci, on veut ça. En même temps, on veut les enfants, mais on peut pas tout abandonner parce qu'on veut garder nos postes. Puis moi, tu sais, je me dis qu'en même temps, une maman comblée, c'est meilleur pour mes enfants qu'une maman frustrée à la maison, même si je suis moins présente. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? De l'aide? Bien, de l'aide. T'as raison. Je pense que c'est vraiment ça le truc. Nous, on a engagé une femme extraordinaire, Denise, qui est une nounou, une grand-maman. C'est sûr que si elle n'était pas présente dans notre vie, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait en ce moment. Ce serait impossible. Puis elle nous permet de s'épanouir professionnellement. Puis quand on vient à la maison, ben, on s'épanouit familialement. C'est vraiment ça le truc. Oui, effectivement. Merci, Marie-Lou. Merci, Catherine. Ma meilleure amie, elle te file, OK? Arrête. OK. Arrête. C'est pas de ta faute.